Nous voilà au premier sigil argenté du niveau C. Donc on va rentrer. Alors on va ouvrir la porte là-bas. Voilà. Ensuite, porte avec une lumière rouge là, réflecteur. Pour que ça passe, on va essayer en mettant ici. Hop. Ça marche. Continue, on va prendre l'échelle. Une fois l'échelle franchie, alors un réflecteur. Là, il y a une porte qui doit s'ouvrir là. Avec la lumière bleue, donc on va mettre ici le connecteur. On va le déflecteur, on va le prendre. On prend la source bleue. Voilà, ça y est, ça a ouvert la porte. Ensuite, donc là, deux déflecteurs, une source. Je pense qu'il faut aller de l'autre côté. Donc, on va y aller tout de suite. Alors, on va prendre l'échelle. On va prendre le cube. On va le positionner dessus. Comme il faut croiser les rayons, on va prendre le déflecteur. La lumière rouge ici, on va poser dessus. Et on va chercher la source bleue. Alors, voilà. On va choisir ici. On va poser ici. Voilà, on va prendre le déflecteur avec nous. Alors, un déflecteur, une source, une lumière bleue. Donc on va poser le premier ici. On va prendre le deuxième déflecteur. On va le positionner là. Et on va pouvoir prendre le troisième. Alors. Donc, il va falloir allumer avec la lumière bleue qui est ici. Donc on va prendre la source, on connecte, on va aller chercher le déflecteur et on va activer ici. Voilà, maintenant on va passer l'échelle et on va aller chercher le brouilleur. Le brouilleur, on va donc brouiller la porte, on peut ainsi passer. Ici, nous avons une porte rouge. Le sigil argenté derrière, donc on va prendre le déflecteur et une petite fenêtre, donc je suppose qu'il va falloir faire passer le signal par ici, donc on va positionner, on va prendre l'échelle, on va aller voir, deux autres déflecteurs, hop, on va positionner ici, voilà, ici, même principe, on va franchir, et la source et un déflecteur, donc là on va activer et pouvoir aller ouvrir la porte et récupérer le premier sigil argenté du niveau C. Nous voilà au dernier sigil argenté. Alors, il va falloir ouvrir la première porte bleue. Donc on va connecter cette source avec cette porte là. Alors, on va essayer de se décaler pour être accessible. Voilà, on va prendre le deuxième déflecteur. Alors, est-ce que je trouve une zone où je puisse connecter? Voilà, et on va déplacer ce déflecteur. De manière à tout connecter pour que la porte reste ouverte le plus longtemps possible. Donc on va sortir ce cube, on va le positionner ici, on va en avoir besoin après. Donc la porte a l'air de rester ouverte assez longtemps. Alors il va falloir que je fasse pareil ici. Donc on va prendre ce connecteur et on va le reconnecter ici, ici,
à la source, ici et ici. Voilà. Là. Il nous reste plus qu'à déplacer le cube derrière la porte. Activer avec la source rouge qui se trouve en face. Et si on a bien positionné, la porte devrait pouvoir s'ouvrir. Voilà. Il nous suffit de récupérer un dernier sigil. Pour le dernier sigil, donc on va rentrer. On va aller chercher le déflecteur. On va se positionner ici. Voilà. On va faire un enregistrement d'une dizaine de secondes. Pour pouvoir avoir le temps d'ouvrir cette porte bleue en connectant la source, cette porte, le réflecteur et cette porte là. Alors voilà, ça devrait suffire. Voilà, c'est la lecture. Alors tac tac, je connecte. Voilà, donc là on peut arrêter l'enregistrement de lecture, la porte va rester ouverte. Maintenant il va falloir faire pareil pour aller chercher le cube qui est présent ici. Alors, on va repositionner. Je suis resté trop longtemps devant la source. Voilà, on va enregistrer. Voilà, ça devrait me suffire. On va reconnecter, c'est une petite faute de ma part. Voilà, c'était juste. Donc, maintenant on va refaire pareil. On va connecter ici. Donc, c'est assez de temps pour aller chercher le cube. On va connecter ici, 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 ici. Hop, je prends le cube, je ressors. Et voilà. Porte. On refait un enregistrement. Le cube, va falloir l'emmener de l'autre côté après. Voilà. Donc maintenant on va lancer l'enregistrement. Venir ici, positionner le cube là. Je vais aller chercher le plateau. Ici. Voilà, maintenant je vais poser en haut là et le sigil devrait être accessible. Donc on va couper l'enregistrement et lancer la lecture. Donc voilà, le réflecteur je le prends. On va se positionner ici, on va attendre que le cube arrive. Voilà, je vais aller chercher. Le cube, il faut le vrai cube.
à vouloir aller trop vite. Alors, il faut que je retourne. On va recommencer. Donc j'ai fait une petite coupure au montage, le temps de reconnecter tout. Donc le cube, je l'ai positionné en bas de l'échelle. Maintenant, je vais lancer l'enregistrement. Je vais prendre la plaque, je vais me diriger vers le cube. Je me mets à côté. Voilà. Donc une fois monté dessus, on attend un petit peu, on va aller arrêter l'enregistrement. Voilà, on va mettre la lecture, donc je prends le déflecteur, je me rends à côté du cube. Voilà. Je connecte. Ici, je pose le déflecteur et la porte du sigil va s'ouvrir. Il ne nous reste plus qu'à le ramasser.